Bonjour et bienvenue sur la chaîne Y'a plus qu'à. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Anne, que nous avions accompagnée lors de son projet de création d'entreprise. Anne, pouvez-vous vous présenter à notre auditoire ? Oui, bonjour, je m'appelle Anne André. Je n'ai plus 20 ans, mais j'ai quand même plein de projets dans ma tête et j'ai créé Canopée.biz il y a environ 6 mois. Très bien, et quel est du coup le concept de votre entreprise Canopée.biz ? D'où cela vous est-il venu ? Le concept, c'est la recherche de l'esthétisme, de créer le coup de cœur, l'émotion chez mon client potentiel. C'est très bien. Et on sait que le parcours de création de son entreprise n'est pas toujours simple. Quelles ont été les étapes principales et particulièrement les difficultés que vous avez rencontrées ? Pour moi, la difficulté majeure, c'était de faire un choix sur mon statut juridique. Et grâce à des personnes, je me suis entourée de personnes bienveillantes et compétentes qui ont su démêler m'aider à faire un choix qui peut être temporaire, qui pourra changer après, mais pour le moment qui correspond bien à ma situation. Et si vous aviez un seul conseil à donner à notre audience, là, à une personne qui va se lancer dans la création d'entreprise, vous y êtes déjà passé par là, cette gestion de projet, ça serait lequel ce conseil ? La passion. La passion vous aide à pousser les montagnes. Gardez cette passion au centre de tout. Voilà. Merci beaucoup. Et l'avenir pour Canopée.biz, comment vous pensez qu'il va s'écrire ? Qu'est-ce que sont les prochaines étapes ? Eh bien, écoutez, les prochaines étapes, c'est un développement sur le territoire français. Pour l'instant, c'est assez régional. Sur le territoire français et voire à l'international. Alors, bon courage pour ça. Anne, merci beaucoup en tout cas pour ce temps d'échange. Et à bientôt sur la chaîne Y'a plus qu'à.